Félicitations toute la famille, vous êtes enceinte de jumelles. Waouh, tu as entendu ça chérie? C'est super non? On va avoir des jumelles. Oh oui, j'attendais que ça depuis longtemps. Des jumelles, je voulais des jumelles. Super, j'ai hâte d'accoucher. Eh bien madame, vous pouvez rentrer chez vous. On se dit à très vite. Peut-être que vous allez accoucher dans quelques jours. J'ai hâte, merci beaucoup docteur. Je vous en prie, passez une bonne journée. Merci vous aussi. Alors, prochainement un accouchement de jumelles, ça marche. Tu entends ça? Des jumelles, c'est mon rêve depuis très très longtemps. C'est vrai, tu as toujours rêvé d'avoir des jumelles. J'ai hâte. Moi aussi. Alors chérie, je sais pas du tout quand est-ce que je vais accoucher, mais il faut tout prendre en deux. Par exemple, une glace, en deux, hop. Vas-y toi aussi, prends-en un. Très bien, alors tu m'as dit une glace, ensuite... Des Doritos. Ça marche. Pareil, moi aussi, des Doritos. Prends une pizza. Peut-être que nos filles, elles adorent la pizza. Ensuite, du lait. C'est très important le lait. Allez, vas-y. T'es sûre qu'elles vont manger tout ça? Enfin, elles sont même pas encore nées. Mais bon, voilà. Ensuite, quelque chose d'autre? Il manque quelque chose? Ou c'est bon? C'est bon, là, il faut leur acheter des jouets. D'accord, plein de jouets. Et plein de vêtements. En double. D'accord, c'est parti. Du coup, au centre commercial. Il nous faut, chérie, deux téléphones. Ça marche. Bonjour, en quoi puis-je vous aider? En fait, voilà, je vais accoucher de deux filles. Et j'aimerais avoir un téléphone pour chacune d'elles. Oh, donc elles sont pas encore nées. Et vous voulez un téléphone? Ça marche, je vous montre les nouveautés. Oui, s'il vous plaît. On veut un téléphone dernière génération. Ok, bon, bah ici vous voyez, ça c'est spécialement pour les filles. Du violet et du rose, je crois qu'elles vont adorer. Quoi? Ah oui? Et qui vous fait dire qu'elles vont aimer ces couleurs? Peut-être qu'elles vont aimer du bleu? Ou bien du vert? Écoutez, vous pouvez choisir. Si vous aimez un modèle, on peut faire la couleur de votre choix. Une fois que les filles seront nées, ou peut-être lorsqu'on va savoir leur goût. Oui, d'accord, je vais choisir. Celui-là chérie, tu en penses quoi? Il m'a l'air bien. Je suis d'accord avec toi. On prend celui-là. Et pour notre Cassie? Pour Cassie? Celui-là. Oh, elle va adorer celui-là. Ok, on achète ça. Très bien. Je vous prépare une facture. Passez une bonne journée. Merci, vous aussi. Allez, on va manger? Bonne idée. Attends, je pose ça dans la voiture. Hop, on va manger dans mon restaurant préféré. Très bien, c'est comme tu veux. C'est super ici. Et dire qu'un jour... on sera parents de deux jumelles. Oui, j'ai hâte pour ce jour. Et moi alors? Ma chérie, tu vas bien? Je sais pas, j'ai mal au ventre. Tu sais quoi? Vite, on va arrêter de manger, on y va tout de suite à l'hôpital. C'est urgent, fais vite. Oui, vas-y. Aïe, vite. Je crois que le bébé va sortir. Oh non, on dirait qu'une des filles sort sa tête. Vite. Je vais vous payer après. Vite, vite, vite. C'est parti. J'espère que ça va. Ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Vite, on y va à l'hôpital. Aïe. Oh non. Le feu rouge. Oui, c'est le feu rouge. Attends, juste quelques secondes. Ça va? Je t'entends plus. Tu t'es évanouie? Oh non. Alors docteur, elle va bien? Et les bébés? Oui monsieur, tout le monde va bien. Elle est juste un petit peu évanouie, mais tout va bien se passer. Les bébés aussi sont en bonne santé. Je reviens. D'accord, docteur. Merci. Je vous en prie. Alors, je pense que l'accouchement, ce sera pour aujourd'hui. Ma chérie, je sais pas. Je stresse. Tellement que je stresse, je dois aller aux toilettes. Je reviens. Ne bouge pas, d'accord? De toute façon, tu m'entends pas. Alors, les toilettes. Hein? Qu'est-ce qui se passe, docteur? Je crois que je vais accoucher. Eh ben dis donc, c'est plus tôt que prévu. Calmez-vous, respirez un petit peu. Allez. Attendez, docteur, ça va bien se passer? Oui, attendez, vous allez accoucher. Allez madame, poussez. Il est où mon chéri? Je sais pas, aux toilettes je crois. Allez-y, poussez vite. Ok. Oh,
Vous avez le premier bébé. Allez, poussez encore. Oh, c'est bizarre. Il n'y a qu'un seul bébé. Comment ça, un seul bébé? Je sais pas. Bizarre, je suis désolée. En fait, vous n'êtes pas enceinte de jumelles, mais d'une seule fille. Quoi? Mais non! Ah, c'est bon. J'espère que je suis pas en retard. Mais madame, c'est pas possible! Il est où mon deuxième bébé? Comment ça? Oh, t'as accouché? Félicitations? Oui, mais non! T'as pas compris! Il est où mon deuxième bébé? Aucune idée, madame. Mais il s'est pas envolé? Je sais pas. Elle peut pas nous mentir, le médecin. Non, je vous jure. Tout s'est passé devant vous. Je sais pas, il est où? Trop bizarre! Mais moi, je voulais des jumelles! Ma chérie, c'est pas grave. On a une fille, c'est l'essentiel. Non, mais moi, j'ai senti faire grandir deux bébés filles dans mon ventre. C'est pas possible. T'inquiète, on va essayer d'avoir d'autres jumeaux ou jumelles. Mais moi, je peux pas donner l'amour à cette fille. Je suis désolée, occupe-toi d'elle. Moi, je peux pas. Je voulais des jumelles. Je reviens. Désolée, petite Cassie, je dois y aller. J'aime pas trop mon travail. J'ai pas le choix. Il faut bien sûr travailler. Tiens, un bébé? Qu'est-ce qu'il fait là? Encore une maman qui a abandonné son bébé. Ou des parents qui ne veulent plus de bébé. Pourquoi les enfants alors? Viens ici, ma puce. Allez, viens. Je vais te déposer vers les nouveau-nés. Voilà, mets-toi ici, à côté de ce bébé. Voilà, tu restes ici. Je suis désolée, je dois aller travailler. C'est pas possible. Il y a des parents encore qui abandonnent leur bébé. J'y crois pas. Bref, j'en étais à où? C'est bon, j'ai fini. Tiens, c'est qui pleure? Tout le monde dort. Mais c'est qui t'a abandonné? Oh, ma puce, viens dans mes bras. C'est pas juste. C'est qui t'a abandonné? Les autres sont enregistrés et leurs parents sont en train de se reposer. Mais toi, ma pauvre, viens avec moi. Tu sais quoi? Je vais t'emmener avec moi. Si personne ne veut de toi, je suis là pour t'accueillir. Allez, on rentre à la maison. Non mais je rêve. Tu as apporté un bébé à la maison? Oui, et alors? Je peux l'élever? Bien sûr, c'est ça. On a déjà du mal à vivre. Et toi, tu veux élever ce bébé? Écoute, si tu veux pas, c'est pas grave. Je vais chez mes parents. Eux, au moins, ils vont rien dire. Ouais, vas-y. Si tu veux pas vivre sans ce bébé, tant mieux. Je te quitte. Pareil, moi aussi. Allez, viens ma chérie. On y va chez mes parents. Tu auras tout l'amour. Tu verras. Enfin, nous sommes les heureux parents de deux jumeaux, une fille et un garçon. Oh oui, mon chéri, quoi demander de plus? J'attendais ça depuis très très longtemps. Enfin, mon vœu exaucé, celui d'avoir deux bébés. Mais maman, je suis là moi aussi. Pourquoi vous m'oubliez? Toi, on t'oublie pas. Juste que, à cause de toi, j'ai perdu une fille. Vous auriez pu être jumelles. Je sais pas. Tu es maléfique? Elle a disparu? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va, ma chérie, du calme. C'est pas de sa faute. Bien sûr que c'est de sa faute. C'est elle la responsable. Très bien, j'ai compris. Je vais dans ma chambre. On dirait que j'ai pas le droit de vivre. Oui, c'est ça. Tu n'as pas le droit de vivre. C'est pas juste. Pourquoi elle dit ça à maman? Elle me laisse toute seule. Et elle va dehors avec ses enfants. Enfin, ses jumeaux. Et je suis toujours toute seule à la maison. Allez, ne t'énerve pas. On y va manger dehors? Oui, allons-y. Prends Hugo. Et viens, mes bébés. Nous allons aller faire du shopping. Je vais vous acheter des vêtements. Ouh, je sais que t'aimes bien ça, toi. Ma chère Léane. Allez, viens. Nous aussi, on y va. Miss, on y va dehors. N'oublie pas de fermer la porte. Allez, go. Nous allons faire du shopping. Vous êtes prêts? Bien sûr. On est toujours prêts. Oui. Moi aussi, je crois que je suis prête. Je sais pas. Pourquoi il me déteste comme ça? Je crois que je vais sauter d'ici. Oui, je ne mérite plus de vivre. Parce que mes parents, ils ne m'aiment pas. C'est parti. Je saute. Aïe. Mais pourquoi tu as fait ça, ma puce? C'est pas bien. T'aurais pu te faire mal. Et bien encore plus grave. Comment ça? Partir de ce monde, c'est ce que je veux. Mes parents me détestent. Non, personne ne te déteste. Sois courageuse. La vie est belle, oublie pas. La 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 la. Maman, tu es là? Ouh, une nouvelle patiente? Oui. Mais elle me ressemble. Tu vois pas ça, maman? C'est vrai, on est peut-être jumelles? Oh non,
Ne me dis pas que... c'est toi. Enfin, Cassie. Ne me dis pas que... j'ai adopté la jumelle qui avait disparu. Attendez. Je reviens. Voilà. Je vais faire un examen de sang pour voir si vous êtes vraiment jumelle. D'accord, tu peux. Très bien. Alors, fais voir ton bras, Cassie. Et toi aussi, Miss. Voilà. Je reviens. Alors, le même sang ? C'est vrai ? Les filles, vous êtes jumelles ? Je savais. J'allais reconnaître ma jumelle. Pareil. Waouh, tout ce temps. Tu étais où ? Et toi, tu étais où ? On va plus se quitter, hein ? Non, on se quittera plus. Je reviens, les filles. D'accord ? Oh my god, j'arrive pas à croire. Les jumelles. Mes chéries, venez. On rentre à la maison. Oh oui, on vous a cherché. Enfin, vous êtes là, mes jumelles. Oh, cool. C'est nos parents ? Non, ce ne sont pas nos parents. Tu sais pas du tout ce que j'ai vécu. Ils nous détestent. Quoi ? Comment ça ? Oui, ils nous détestent. Ils m'ont toujours détesté. Ils pensaient que c'était à cause de moi que tu avais disparu. C'est vrai ? Pardonne-nous. S'il te plaît, pardonnez-nous. On a mal agi. Trop tard. Moi, je vais rester avec Cassie. Et moi ? Avec toi, Miss. On se quittera plus. Pareil, on va vivre avec ta mère. Celle qui t'a fait nourrir. Qui t'a sauvé la vie. Et la mienne. Très bien. Si c'est ça que vous voulez, on vous laisse tranquille. Mais pardonnez-nous. Je vous en prie. Oui, on vous aimera, quoi qu'il arrive. J'ai enfin retrouvé une maman. Et moi, ma jumelle. Et moi, deux jumelles. Merci de m'avoir choisie. C'est normal.